Cheryl Ferret, nous nous étions quittés il y a à peu près un an à la sortie du livre Mapuche, donc qui se passe en Amérique du Sud, en Argentine. Et à l'époque, vous nous aviez parlé du projet de tournage du film Zulu. Et ce film, depuis, a été tourné. On vous a vu sur les marches du Festival de Cannes. C'est très classe. Et le film sort dans 10 jours. J'aimerais que vous nous racontiez un petit peu cette aventure cinématographique. Parce qu'il y a déjà depuis, ils m'ont invité sur le tournage en Afrique du Sud. Donc ça, c'était génial. Je suis retrouvé avec Forest Whitaker, Orlando Bloom, Jérôme Sall, le réalisateur et toute son équipe sud-africaine sur le tournage. Ironie du sort, quand j'étais sur le tournage, c'était ça passait dans un Cape Place. En fait, c'est un township vraiment tenu par que les gangsters. Donc c'était les gangsters qui faisaient la sécurité du tournage. Et les gangsters en sud-africain, c'est pas des petits rigolos, quoi. C'est des mecs qui sont... Il y avait un qui torturait, par exemple. Il disait, bah ouais, mon job, moi, c'est de torturer les gens pour leur faire parler. Alors, je vois leur regard, en fait. Donc, au regard, je sais tout de suite s'il va tenir 30 secondes, 5 minutes, ou si vraiment c'est un dur, il va falloir le torturer pour une petite demi-heure avant qu'il commence à parler. Et le mec, tu dis ça comme ça, entre deux prises, en fait. Oui, mais c'est déjà étonnant comme information qu'autour d'un film, ce soit des gangsters qui assurent la sécurité. Ben en fait, pour une raison assez simple, c'est que Jérôme Salle, quand il a voulu tourner, il y a certaines scènes qui se passent dans les townships, et souvent le problème, c'est qu'il y a deux gangs qui tiennent le truc. Donc si tu demandes à un gang, t'es obligé de demander à un gang de faire la sécurité. Hein. Si tu demandes à un gang de faire la sécurité, les autres vont pas être contents, ils risquent d'avoir des balles perdues, etc. Donc évidemment, quand t'as pas envie qu'il y a 100 personnes sur un tournage, t'as pas envie qu'un mec commence à se tirer dessus au milieu de tout ça. Donc l'avantage de ce township dans lequel on était, c'est pas vraiment un township. C'est un quartier en fait qui s'appelle Cape Flats, qui est vraiment la misère, misère, misère. L'avantage c'est qu'il n'y avait qu'un gang, donc il n'y avait qu'un gang à acheter. En fait. Et ils étaient assez contents les gangsters du coin parce que c'était la première fois de leur vie qu'ils gagnaient de l'argent légalement. Alors, par contre, il y avait un manque à gagner, hein, parce qu'il bon, il dealait de la drogue et des armes. Donc, il dit, bon, bah, comme on a un manque à gagner, vous allez rester un mois. Donc, pendant un mois, il faut vous donner de l'argent qui compense, en fait, le manque à gagner. Et nous embaucher comme le mec de la sécu, quoi. Donc, c'était un arrangement qui a été fait comme ça. Très bien. Et de fait, il y avait très peu de policiers. Il y avait 5-6 flics qui étaient sur le tournage maximum, quoi. Mais pour 50 gangsters, donc c'était... C'était drôle, hein. Pour moi, je disais pas le poids, mais c'était marrant de voir que j'avais situé une scène, et donc ils m'ont tourné vraiment in situ, vraiment dans la gang. Et d'ailleurs, il y a un des mecs qui joue le rôle du cat, en fait, qui est vraiment un très très méchant dans le film. C'est un vrai gangster qui était en probation, en fait, qui sortait de prison. Et du coup, il a trouvé ce job, en fait, et ils ont fait un casting sauvage, en fait, parce qu'ils trouvaient pas un vrai gangster, ils trouvaient pas le bon rôle, donc ils ont trouvé ce vrai gangster qui a fait le bon rôle. Et puis, il y a quelques mecs qui se font tuer aussi dans le film, qui sont des vrais gangsters aussi. Pas besoin de maquillage. Ils sont pas vraiment morts, hein. Mais peut-être qu'ils sont déjà morts depuis, hein. C'était il y a un an, et vu la vie qu'ils ont, ils vivent dangereusement. Donc moi j'ai eu un accueil formidable sur le tournage, donc ça déjà c'était superbe. Et moi j'étais un peu consultant, j'avais fait la première version du scénario, mais ça a changé de réalisateur en cours de route, donc finalement c'est pas moi qui ai fait le scénar, mais je suis resté très proche du tournage, d'abord parce que j'ai sympathisé avec toute l'équipe. Forest Whitaker, Orlando Bloom, d'un enthousiasme de gamin, en fait, sur le tournage. Puis comme ils n'étaient pas en mode star, parce qu'ils étaient dans le township, vraiment avec livrés à eux-mêmes un peu, quoi. Ils avaient chacun leur regard du corps, mais qui non plus faisaient pas le poids. Donc ils étaient très disponibles, et on a discuté du rôle. Et Orlando Bloom, quand je suis arrivé sur le tournage, il m'a dit, putain, c'est toi l'auteur, c'est le rôle de ma vie, j'en ai marre de faire les elfes et tout. J'ai envie de faire des rôles de bad boy, défoncés, avec des histoires d'amour, destroy et tout. J'étais un peu surpris, quand même, de lui qui est toujours un peu lisse, etc. Donc il y avait un enthousiasme super, et qu'on retrouve dans les images, quoi. Vraiment, ça la pêche, quoi. Et au niveau du scénario, ça s'est passé de quelle manière? Est-ce que vous avez été consulté? Donc, ça vous venez de le dire, mais est-ce qu'il y a eu beaucoup de changements? Et s'il y a eu des changements, est-ce que c'est facile à accepter? Mais en fait, ce qui est assez marrant, c'est que moi, j'ai fait le premier scénario, mais avec un autre réalisateur, et pour des raisons de production, il devait y avoir un acteur français qui devait se mettre dans le casting, le rôle principal, le rôle d'Orlando Bloom. Mais du coup, ça cassait quand même l'histoire de Zulu, parce que l'histoire de Zulu, c'est quand même un noir et un blanc, hein, pour aller très très vite. Et le fait qu'un Afrikaner et un Zulu, le fait d'enlever l'Afrikaner blanc pour mettre un Français parachuté comme ça et tout, ça cassait le bouquin, en fait. Bon, quand on est scénariste et que le producteur nous dit il faut faire ci, il faut faire ça, hein, t'obéis, hein, c'est ton job, en fait, hein, de scénariste, quoi. Mais je trouvais que le scénario, il était plus loin du bouquin, et donc du coup quand le projet a pas marché comme ça,
Quand Jérôme Salle a repris le film, il m'a dit, bah, par contre, moi je bosse avec mon scénariste depuis toujours, c'est mon pote, puis on s'entend bien, c'est comme ça qu'on travaille. Donc je dis, bah, ok, je vous laisse revenir plus près du livre, en fait, parce qu'il dit, bah, nous préférons tourner en anglais, qu'il n'y ait pas de français, que ce soit juste un africaneur, enfin, comme dans le livre. Donc du coup, finalement, j'ai été dépossédé du scénario, mais au final, heureusement, puisque celui que j'avais écrit, il était moins intéressant, il y avait un français, ça marchait pas, quoi. Et alors, ça fait quoi de voir les scènes de son bouquin tourner? Comme vous avez assisté au tournage, est-ce qu'on a envie de dire oui, mais là... Bah non, en fait. On peut pas. Bah non, mais déjà, moi j'avais dit, bon, ok, super, je vais sur le tournage, mais je viens pas vous faire chier. Ouais. Dire, c'est pas mon argent. Quand tu vends les droits, tu vends les droits. Hein. Ouais. Après, si t'es pas content, tu peux mettre librement adapté de. Ça, en fait, c'est le code pour dire que l'auteur a pas aimé. D'accord. Mais parce qu'ils savent bien justement que les auteurs, ils sont chiants, ils sont là. Ah non, mais j'avais pas dit que c'était comme ça et tout. Hey, c'est du cinéma, c'est pas la littérature, c'est autre chose, quoi. Donc il y a une mise à l'écart. Mais en fait, moi, ça m'a fait comme la naissance à l'enfant, en fait, quoi. C'est magique. T'es responsable du truc au départ, quoi. Mais les mois passent, et puis hop, on en fait autre chose, en l'occurrence du cinéma. Et quand j'ai vu Forest Whitaker, Orlando Bloom jouer les premiers trucs, tout de suite j'ai senti qu'il y avait quelque part c'était gagné, parce qu'ils étaient complètement incarnés, en fait, les personnages, et surtout les acteurs étaient d'une telle générosité. Et puis en plus, il y avait vraiment une bonne ambiance dans le tournage, c'est que c'était magique. Vraiment, c'était assez magique. Je m'attendais pas à ça, à être si ému. Je m'attendais pas à ça. Bon, c'est vrai, ce qui est intéressant, c'est que pour une première adaptation, les acteurs sont des acteurs de haut vol, c'est vraiment du haut niveau, Forest Whitaker, évidemment. Et puis, après le tournage, d'un coup, vous retrouvez sur les marches du Festival de Cannes. Alors là, on sort du Tom Sheep de l'Amérique du Sud pour se retrouver sous les projecteurs, les paillettes, les photographes. Alors là, ça fait quoi? Bah, ça qui était marrant, parce que quand on s'est quitté la fois d'avant, je les ai vus, c'était en plein Tom Sheep. Bon, quand même, dans une ambiance âpre, hein, vraiment, quoi, hein, poussiéreuse, avec des vraies armes. Enfin, toi, c'était un peu zarbi, quoi. Enfin, c'était chouette, hein, mais c'était un peu crade, quand même, comme ambiance, quoi. Cannes, c'est tout l'inverse, hein, tout est artificiel, tout est faux, c'est un peu l'univers de carton-pâte, hein, mais moi j'aime bien, au niveau anthropologique, j'aime bien, quoi. Moi j'aime bien voir comment se comportent les gens dans les usines, comment ils se comportent, je sais pas, à l'université, partout, sur un tournage de film. Et là, à Cannes, c'est comment se comportent les stars, les gens qui sont autour, les journalistes, enfin, toute cette... parce que moi, en fait, comme je suis un peu anard, moi, je mets tout le monde un peu au même niveau. Hein, ce qui compte, c'est la façon dont on fonctionne dans sa fonction, c'est ça qui compte, quoi. C'est pas le degré de notoriété ou d'argent ou des choses comme ça, ça m'intéresse pas, quoi. Ce qui m'intéresse, c'est comment fonctionnent les gens. Donc ça m'a beaucoup amusé. Ce qui m'avait moins amusé au départ, c'était l'idée d'avoir des nœuds papes et tout, dire le mien est tombé à moitié et tout. Donc ça, c'était... Mais en fait, comme on était tous dans la même situation, c'est-à-dire que toute l'équipe technique, il y avait 5 Français sur le film, dont le réalisateur, qui ne sont pas du tout paillettes, donc on appréhendait tous la chose de la même manière. Mais au final, quand on te retrouve au Martinez, où tout est gratos, moi, on arrive en boîte et tout, c'est des soirées privées, c'est pas vraiment des boîtes, t'arrives, puis on était rentrés et tout, super, bon, je dis, ah tiens, vous buvez quoi, je demande à la barmaid, bon allez hop, 5 vodka et tout, combien je vous dois? Elle me regarde comme un demeuré, quoi, mais... On paye pas ici, quoi. T'es con, quoi. Excusez-moi, je suis de Montfort-sur-Meux. Je crois encore qu'on paye, les verres. Quoi. Donc tout était décalé. Et au bout d'un moment, c'est comme si on était avec une bande de potes. Si vous allez avec une bande de potes, avec votre équipe, par exemple, à Cannes, vous allez vous marrer, hein. Quand même. Au bout d'un moment, tu te marres, quoi. Tu vas pas être là, bah non. Non, c'est drôle, quand même. Mais voilà, il n'y a pas de quoi s'enlever la nuit. Hein. Puis heureusement, hein, parce qu'au bout de... tu restes 3 jours là-bas, il faut 2 jours pour t'en remettre. Hein. Il faut redescendre à la réalité après, à faire tes nouilles et tout. Ça dépend du degré d'exagération, c'est toujours pareil. Non, mais ils exagèrent. Hein. Tout est fait pour exagérer là-bas. Quoi. C'est spécial. Quoi. Mais ce qui est super, c'est que le film, quand même, il y a une standing ovation de 5 minutes. L'accueil du public. Bah, c'est un public qui est très très dur. Hein. Et, l'équipe, Jérôme Salle et compagnie, m'ont dit bon, la dernière fois qu'un film français a fait la clôture, le film, c'est la plus grande salle d'Europe, hein, 2000 personnes, le film a été fini, silence de mort, et les gens sont partis sans un mot. Pas un applaudissement, pas une question, rien, quoi. Donc je pense que tu fais un film, tout le monde se barre, limite sous les huées, quoi. C'est terrible, quoi. Donc on appréhendait un peu la réaction du public, et ils ont... au début, c'était comme c'est assez plombant, quand même, le film. Heureusement, le générique est assez long, ça dure 5 minutes, donc les gens ont un peu le temps de redescendre un peu, quoi. Puis ça commençait à applaudir, puis applaudir, puis applaudir, puis ça montait, 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 puis ça finit tout le monde debout, 5 minutes, c'était hyper émouvant, hyper émouvant.
Alors, le film sort dans une dizaine de jours. Comment se sent l'auteur, finalement, avant la sortie du film? Mais moi, super excité, hein. J'ai pas d'enjeu pour moi, hein. Le réalisateur, par contre, parce qu'on a fait pas mal de promos ensemble, lui, il essaie d'être zen et tout, mais ça joue le premier mercredi, hein. Le premier mercredi, il y a les chiffres. On sait des premiers mercredis s'ils vont rajouter des copies ou moins de copies. Donc c'est presque mécanique, hein. C'est-à-dire qu'il y a 250 copies. Si le premier jour ça marche pas, ils vont en virer. Donc il y aura plus 100 copies. Donc forcément, il va moins bien marcher parce qu'il sera moins visible. Donc c'est impitoyable pour eux, quoi. Mais moi, je suis excité parce que moi, le bouquin, il est écrit il y a longtemps. Je suis sur d'autres projets, mais c'est chouette. Mais parce que les gens sont sympas. Alors, d'autres projets. Vous partez bientôt au Chili pour écrire un deuxième livre sur l'Amérique du Sud. Quel sera l'angle de ce livre? Est-ce que vous pouvez déjà nous en dire un mot? Je vais essayer de pas me répéter. Enfin, moi, j'essaie d'éviter de me répéter, donc je vais pas faire. Comme il faut qu'il y ait une histoire d'amour, il y aura forcément un garçon et une fille, quoi. Donc, comme dans Mapuche, il y avait déjà un garçon et une fille. Donc il faut que je trouve. J'ai mes personnages déjà. Hein. Puis il y aura la petite sœur de Jana qu'on voyait déjà dans Mapuche en Argentine. Donc là, c'est côté chilien. Donc c'est une autre problématique puisque les Mapuche sont considérés comme terroristes au Chili. Le Chili, c'est la grosse différence avec l'Argentine, c'est que c'est un pays qui est néolibéral mais épouvantable, quoi. Et Pinochet, quelque part, il a gagné là-bas, à distance de l'Argentine, c'est que la société est vraiment complètement... Il n'y a plus de classe sociale, il n'y a plus de réalité politique, c'est tout le monde pense qu'au fric, à s'enrichir, l'individualisme forcené, les riches sont très riches, les pauvres très pauvres, c'est la mondialisation qui est concentrée vraiment au Chili. Donc c'est ce qui m'intéresse, c'est justement de ces problématiques, enfin, c'est un symbole de la mondialisation qui est très fort. Parce que depuis 1973, hein, c'est néolibéral en fait. Donc c'était le premier pays qui a été vraiment la nouvelle droite en fait, quoi. Les Chicago Bugs, etc. Donc j'ai pris un personnage qui est un gosse de riche. Donc c'est un personnage nouveau pour moi. Et une Mapuche chilienne. Mais ça se passe aujourd'hui, ça parle vraiment du Chili d'aujourd'hui. Avec évidemment les résurgences de Pinochet, mais il va pas y avoir beaucoup de. Je vais pas revenir sur trop. Il y a un personnage qui me permet de parler d'Allende et Pinochet, mais ça va pas être le sujet, parce que c'est un sujet que j'ai déjà abordé en Argentine, donc je veux pas faire un remake. Écoutez, Caril, on vous souhaite bon vent, alors pour deux raisons, pour votre prochain voyage au Chili et puis pour la sortie du film. Vous êtes quand même concerné, donc on espère que tout marchera bien. Ah ouais, j'espère aussi, parce que vraiment tout le monde le mérite sur le tournage, pas toute l'équipe de Jérôme Salles, même les Sud-Africains, tout le monde était hyper sympa, même les producteurs, hein, moi je pensais producteurs, les gars, le cigare, requin blanc, etc. Même là, ils ont été hyper corrects, ils m'ont tous dit, hein, c'est la chance, à Cannes, ils m'ont dit, jamais ça se passe comme ça. Ouais, carrément, jamais. Jusqu'à la fin, tout le monde était content. C'est la chance du débutant. Ouais. Okay. Ouais. Ben, merci beaucoup. Merci à vous. Bientôt. Merci.